Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma série d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement un truc bizarre. C'est quelque chose, là je suis tombé sur des recherches très intéressantes qui ont été faites par des scientifiques et qui montrent qu'avec un accessoire tout à fait banal du quotidien, ça peut donner des résultats tout à fait étonnants sous notre discipline et notre productivité. Et quel est cet accessoire banal de notre quotidien? C'est tout simplement un miroir. Alors vous allez me dire, quoi, avec un miroir on peut augmenter notre discipline, notre productivité, mais comment? Eh bien en fait c'est simple. Donc il y a plusieurs études déjà qui ont montré que le simple fait d'avoir un miroir dans un bureau par exemple, c'est-à-dire d'avoir un miroir où quand vous travaillez sur votre ordinateur, vous pouvez jeter un œil dans le miroir et vous voyez, ça augmente votre ardeur à la tâche, ça augmente votre productivité et ça diminue le risque que finalement vous laissiez allier à des distractions comme aller sur Facebook, regarder une vidéo sur YouTube par exemple, ou aller sur Twitter. Et que vous allez être plus à même de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce que vous devez faire. Donc les psychologues expliquent ça en disant que le fait d'avoir un miroir dans lequel on peut se voir augmente notre conscience de nous-mêmes et fait que du coup on a davantage conscience quand on est sur le point de déraper, on va dire déraper entre guillemets, c'est-à-dire de se laisser prendre par des distractions, alors que qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on doit à la base travailler sur la tâche sur laquelle on s'était promis de travailler, eh bien, le fait de se voir fait qu'on ressent une certaine, un certain engagement vis-à-vis de nous-mêmes qui est plus important que si on n'a pas de miroir. Alors, ça paraît incroyable, mais ça a été prouvé. Je vous ai mis les références scientifiques juste en dessous. Et également, ça nous permet donc de mieux résister aux tentations. Alors, je vais vous parler d'une expérience. Alors, je ne vais pas vous parler de tout parce que le but, c'est que les vidéos restent courtes. Mais une expérience très intéressante qui a été faite sur des enfants qui pendant la période d'Halloween, c'était une recherche qui a été faite aux États-Unis. Et donc, des enfants qui étaient déguisés pour Halloween ont été mis dans une pièce avec plein de bonbons. Et les chercheurs ont dit à ces enfants, ce qu'il faut surtout pas faire, ne prenez aucun bonbon, ok? Alors vous avez le droit si vous pouvez, mais essayez de résister au maximum au fait de prendre des bonbons, c'est ce qu'on vous demande. Et ils ont fait deux groupes en fait. Ils ont fait un groupe dans lequel le miroir de la pièce était tourné contre le mur, donc voilà, il n'y avait pas de miroir. Et un autre groupe dans lequel le miroir faisait face aux enfants. Et c'est très intéressant, ils ont constaté qu'il y avait une différence très significative, c'est-à-dire que le groupe qui n'avait pas de miroir dans la pièce mangeait beaucoup plus de bonbons que le groupe qui avait un miroir dans la pièce. Alors que voilà, des enfants qui sont déguisés pour Halloween sont pas forcément, on n'imagine pas ces enfants-là comme étant des maîtres zen de la discipline, clairement pas, surtout quand il s'agit de manger des bonbons. Et quand un adulte leur a dit qu'il fallait pas le faire, mais pourtant le miroir a réussi à baisser à augmenter leur capacité à résister aux tentations. Donc voilà un exemple tout bête d'un outil que vous pouvez utiliser comme ça. Demain, achetez un miroir, ou aujourd'hui, achetez un miroir, ou prenez un miroir que vous avez déjà et que vous n'utilisez pas et mettez-le dans votre bureau. Ça vous permettra d'être plus productif et d'être plus concentré sur ce que vous faites. Et si également il y a des endroits où vous savez que vous avez plus de possibilités de succomber à la tentation et de vous laisser aller à des distractions ou à des choses qui ne vont pas vers vos objectifs, qui sont contradictoires, essayez de placer un miroir en face de vous à ce moment-là. Ça vous aidera tout bêtement à résister à la tentation. Il y a aussi une autre chose que j'avais lu il y a quelque temps en lisant le livre Drop Dead Healthy de Jacob, je ne me rappelle plus de son prénom, un auteur que j'aime bien, c'est un journaliste juif new-yorkais, enfin américain new-yorkais qui est également juif et qui avait écrit un livre très intéressant qui était L'année où j'ai vécu selon la Bible, où pendant un an il avait essayé de vivre exactement selon les principes de l'Ancien Testament, donc c'était assez drôle. Et il a aussi écrit un livre, donc Drop Dead Healthy, dans lequel il explique sa quête pour être l'homme le plus en forme avec la meilleure santé du monde. Et il expliquait qu'il y avait des recherches qui avaient montré que si on mange en face d'un miroir, on a tendance à moins manger, à être plus raisonnable et à être moins tenté par les distractions. Donc voilà, tout un tas de références scientifiques, c'est très surprenant, c'est même bizarre, mais comme ça a été prouvé, on n'a pas de raison de ne pas l'utiliser. J'adore ce genre de choses, ils sont vraiment 24-20. Vous prenez un miroir, vous le mettez dans un endroit et hop, ça augmente votre productivité et ça augmente votre focus, ça diminue votre facilité à tomber dans les tentations. Donc
il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez après avoir vu cette vidéo. Mettez un miroir dans votre bureau et dans un endroit où vous pensez que vous êtes plus susceptible de succomber aux tentations, ça vous aidera. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve, la petite icône qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé, cliquez sur « j'aime » juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.